Yo le gang, totalement KO en direct de mon lit. Une nouvelle journée qui commence. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous vous occupez bien de votre vie et que vous vous aimez, que vous aimez le monde qui vous entoure. Allez, c'est parti le gang. C'est parti, on commence la journée sans contour. Voilà, on n'oubliera pas de passer chez le barbeur. Rudy, j'arrive. Tout d'abord, la salle de sport. Voilà, quoi de mieux que de commencer la journée en travaillant sur son mental et sur son physique. Je vous conseille ça, les gars. C'est pas seulement voilà pour être affûté, etc. C'est aussi dans la tête. Voilà, la santé avant tout. Et après, on envoie la suite de la vidéo. Je sais pas. Voilà, c'est, je filme un peu tout là. C'est un peu différent de l'habitude. On commence une vidéo un peu, voilà, en mode lifestyle. Hein. C'est un peu ça, de toute façon, le but de la chaîne. Donc let's go! Un BG? Hey. Wesh! Ouais, Django! Quoi ton chien il est comme ça? Des chiens dangereux comme ça là! C'est là, ma gueule! Comment samedi? Il caille, mais t'as vu, on se tue là, mon gars, tu connais? On se tue à la barre! Ah ouais, des gens, c'est ça. T'as dit quoi toi? Ah, ça a dit que je vais me couper aussi. Ah ouais, je t'attends un petit dégradé avant ta vidéo. Non, je t'affronte pas. Il est trop filmé à l'improviste, ce monsieur. Voilà, ouais, regardez bien, but, regardez bien ce qu'il fait. Ouais, faut qu'il monte son visage lui aussi, là. Il va venir, je monte. Il n'y a pas de contour, gros. On vient se couper. Attends, viens régler les problèmes. T'as capté ou pas? Des bons problèmes. C'est quel projet là? Tu prépares là, frérot? Il n'y a pas de problème, frère, je filme. Ça sort dans les making-of. C'est pas le moment de louper la coupe, hein. Non, par des trous. Non, t'inquiète. Là, c'est bizarre, je sais. T'as capté, là, ça commence à. Eh, hey, je t'ai dit, bientôt, on va la boule, hein. T'as capté ou pas? C'est bizarre ici. Et genre, j'ai mal au ventre, arrête tes conneries, wesh. Ah, je suis ouais. Là, t'es déjà vieux, toi. Ah, frère, attends. 30 ans, t'as trop. Bah! Ah, mon gars. Ça laisse des traces, hein. Moi j'ai pas de problème de calvitie. T'as toujours des chewing-gums toi. Mais toujours, c'est important. Faut pas puer de la bouche. Vous savez quand vous coiffez, vous avez des clients à proximité. Si vous puez la gueule, c'est pas bon. Et quand vous fuyez, normal. Il y aura des mauvais commentaires sur le site. Le coiffeur coiffe bien, mais ils sont pas bons de la bouche. Non. Et après t'as moi, quand t'as un Nike, il y a un pote il avait fait un flocage à un bouc. Il avait fort le flocage. Et maintenant il aura très peu sur Twitter. Il a dit le bouc de Nike là, le pantalon militaire là, le long skinny. Il a foiré mon truc, j'espère que tu veux te reconnaître. Waouh! Eh, j'en pouvais plus. Ah, tu peux rater les flocages. Mais il avait fou. Eh, quand je t'ai dit, tu veux louper un flocage. Parce qu'il vient d'arriver, t'as capté, ils l'ont mis dans la sauce direct. Ah ouais, mais frère. Tu vois ou pas? Eh, mais fais pas de dinguerie, hein. Non, il fait pas de dinguerie. Il fait pas de dinguerie. Il fait pas de dinguerie. Non, je fais pas de dinguerie. Là, je vais cliquer un peu mon frère. Mon frère. Ouais mais je suis pas sympa. Vous gardez la main, non? Ouais. C'est la stratégie. Quand tu te gardes, on dirait que t'as banane. Le taf il est fait ou... Le taf c'est propre, c'est nickel, c'est soigné. C'est propre, c'est beau gosse. Donc merci, venez vous couper. Je pense que c'est Rudy Rudson. Tu parles plus fort, frère. Tu me dirais que t'es timide, frère. Je suis pas timide, frère. T'es timide, frère. Venez vous couper ici. Là, c'est Rudson. La guêpe.
comment BG? Non, non. C'est comment? C'est comment ça va quoi? À sortir du matin il comme se cache ça. Comme ça, putain. Tu nous prends comme ça, c'est pas. Tiens, tiens. Ce serait pas le renard là? Ah ouais, merde. C'est carrément le renard. Monsieur, oh, tu vas te faire démonétiser là. Streamer Hamza les refs. Streamer Hamza les refs. Charbonne tout l'été. Ça va ou quoi les refs? Putain, ça fait longtemps sur la chaîne de Jojo. Putain, il est de retour. Hey, il est de retour le renard. Carrément, j'ai dit à Jordi, là c'était en off, mais je vous le redis. Hey, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. J'ai envie de le galoche. Les refs, faut que je vous dise un truc. Je sais pas si vous êtes dans ce mood là. Mais dès que le printemps il arrive, tu vois, printemps, ouais, été, là on commence, on est en mars, tu vois. Ouais. Frérot, je suis trop excité. Genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai envie de sortir, j'ai envie de me balader, tu vois. Il commence à faire jour jusque 19h, tu vois, limite. Ouais, c'est trop lourd, frère. Bah, tout droit, hein. Ouais, je vais aller tout droit. Il est excité, le renard. Ah, ouais. Il est grave excité, même dans les groupes WhatsApp et tout. C'est très difficile de le gérer. C'est très difficile. Là, ah, c'est en mode ghetto un peu là. Non, même pas ghetto. Petite veste ACG. Putain, on fait les outfits en voiture là. T'inquiète, petite veste pas, ACG après, qui est vraiment sympa. Et après, c'est un bas Nike, une petite paire de newbie. Ah, bon, les voilou. Rani tout. Bien le bonjour. Ça vaut quoi, mon ref? Ça dit quoi? Caméraman. Ouais. Comment allez-vous? Ben, ça va, ça va, ça va. Hein. Ah. Qu'est-ce que tu faisais dans ton corner là-bas? Je suis passé par là-bas. Il chassait des Pokémon ou quoi? Donc là les gars, en fait, on va capter le frérot Johan parce qu'il doit faire une vidéo avec Matt. Exactement. Moi, en gros, je suis en mode backstage. Du coup, vous allez pas voir en gros ce qui va être filmé. Vous allez voir ça sur la chaîne de Matt plus tard. Exactement. Dans le mois. Mais pour le petit teasing, les refs, vous savez bien. Là en ce moment, je fais les vidéos collection. Donc il se peut que on va voir Yo pour faire une vidéo collection des familles et une vidéo très très lourde parce que Yo il a de la sneakers, des mangas, plein de trucs comme ça. Il est un peu comme nous, il ouais, collectionne tous les petits trucs, tous les collectibles et tout, tu vois, c'est. Moi je pense que ça va être good hein. Oui. Granit il est fatigué frère. Pourquoi? Je sais pas, hier on était au champ. Ah ouais, hier j'ai date Ranit du coup aux Champs-Élysées, pour ceux qui savent pas. On est allé à Five Guys, on a bu un petit milkshake en tête à tête. Et puis voilà, c'était au calme. On a vu la statue à Louis Vuitton, tu sais, les grandes statues ouais, là. Moi je l'ai même pas encore. Pas, frérot, on a vu celle de la Sainte-Maritaine et celle des Champs-Élysées. Franchement, c'est incroyable. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Voilà. Je vois ça. Oui. Oui. Tu confirmes? Oui. Là c'est trop long. Ah les refs, du coup hein, je suis passé chez le barbeur avec Rudy, hein, de toute façon vous avez vu ça tout à l'heure. C'est toujours plaisir d'avoir le crâne rasé et être propre. Ah, voilà, oui. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, chaque rendez-vous peut être important, donc restez propre. Exactement, restez propre les refs, voilà, il faut toujours être voilà, mignon au possible. Exactement, voilà, c'était le petit conseil du début de la vidéo, je sais même pas on est à combien de minutes, mais on va dire que c'est le début. Exactement. Neuilly. Neuilly, zone sensible du 93. Violence, arnaque, stupéfiant. Voici le quotidien des jeunes de cette banlieue. Mais lui, il croit qu'il va vendre du shit ou quoi? Mais non, c'est une intro en mode... Ah ouais. Frérot, ça c'est de la discrimination, c'est pas parce que je suis habillé comme ça que... Mais j'ai rien dit, pourquoi tu... Il est excité. Non, c'est quoi? Donc tout de suite, sans plus attendre, on va vous emmener dans la côte. Il parle de ouf, il parle de ouf. Il y a du manga. Édition stylée. Voilà, c'était peut-être même mieux. C'était même mieux, ouais. Voilà, je vais pouvoir déguster ma clémentine. Team NB aujourd'hui. Hein. Ouais, Team NB de ouf. Boum. Voilà. Boum. Boum. Une 90 V5, une petite Mirage Gris et une petite Renclude. Renclude. Vous voulez un... Faut toujours partager avec les amis, les refs. Tomodachi. Est-ce que vous voulez Tomodachi? Tomodachi. 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 Qui veut Tomodachi. Un carré? Un carré. Un quartier. Un carré. Vous êtes des bâtards, frère. Tiens, 3 pour toi, Jordi. Merci. Ranit, 3 aussi pour toi. Un carré d'orange. 3 pour toi et 4 pour moi. Un parce carré que, de Clémentine, frère, c'est ça? Ouais. Un quartier, frère. Un carré, ouais. Vous voyez? Lui, ça se voit au maternel, il avait du mal. Allez, chien, frère.
C'est le Johan. Que des chiens dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour, nous venons en paix. Ça s'est encore plus amélioré. Ah, chien. Vas-y. Ça me fume, il a mis une petite musique pour nous. Hein, pour... Ah, ouais, tu sais, genre. Ça ouf, lui. De motivation. Yo, j'ai ramené des cartes si jamais tu veux échanger ou quoi. Ah, c'est ça. Mais là, carrément, tu, quand t'as tout ça comme ça, qui est positionné, t'as la flemme carrément de déménager après. Hein. De ouf, j'avoue, je touche pas. Hein. Mais là, comment tu veux déménager? Des fois, j'avoue, tu vois, là, il y en a un nouveau, je l'ai caché là. Là, tu te sens tellement bien, frérot. Bah ouais. En fait, les piles, j'ai d'autres piles derrière. C'est ça. Ah, regarde, là, c'est plein. Des fois, je balance derrière. Et après, je range devant. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Incroyable. Voilà son setup là quand il va commencer à streamer. Bientôt, bientôt. Ah, ça cool. Va être trop long. Ça va être cool. Gros, je sens que cette vidéo va être tellement longue. Je sais déjà qu'elle va être trop longue. Ah, c'est incroyable. T'inquiète, je vais... Je vais le faire, on va dire. Dans ma chambre, je vais regarder. Merci pour la musique. Je vais faire les inserts. Voilà, ça c'est un beau manga. C'est un très bon manga, mais cet individu, il aime pas. Ouais, j'ai lu le premier, j'ai pas kiffé. Ouais. J'ai pas lu le deux. Il y a des choses à voir avec. Là je fais les inserts, vous voyez. C'est ce que vous voyez en début de vidéo. Pour les vidéos collection. Donc là je fais ça et après mon monteur il prend vraiment les phases les meilleures quoi. Mais faites attention au pas, vraiment. Regardez le pas de chat. Pas de chat, pas de renard. Pas de renard, mais oui, qu'est-ce que je raconte. C'est voilà, figure, vous voyez, il a pas énormément de figurines. Mais il y a l'autre. Moi, j'ai ça aussi. Mais lui, il met des tarots de fou. Non, ça va. Si. Celle-là, ça va. Des fois, il vient me voir, il m'envoie des liens. Il me dit, ouais, ça, j'hésite et tout. Faut voir les prix maintenant. Celle-là, elle est à combien? Celle-là, c'est calme. Non, ça, ça va. Ça, c'est 80, calme. 80 ouais. En vrai, 80, c'est calme. Tout celles-là, elles sont pas trop chères. Y'a que la magicien là qui est. Le magicien, je crois, il doit être vers les 120. Ouais. Le magicien, ça va, c'est pas si haut de prix que ça. J'ai eu à Noël. Je voulais prendre le dragon blanc aussi, mais j'ai pas eu le temps d'aller. Le dragon blanc, c'est pas mal aussi. Ah, la découle, elle est dangereuse. Hein. Mais toi, tu l'as mis dans un endroit qui fait peur. Hein. Ici, tu... En fait, normalement, si c'est pas, ici, y a pas de souci, il peut pas tomber, mais... Non, ça ne tombe pas. Mais là, les Jojo, là, tu les as toutes pris au Japon, non? Les deux derrière. Ouais. Parce que ça, là, pour trouver ici, c'est mort. Non, vraiment, le setup, c'est n'importe quoi. Mais là, t'es obligé de dessiner en fait. Tu peux pas avoir la flemme. Tout, tu peux pas avoir la flemme. J'ai amené une autre paire de baskets dans l'univers. Donc, les gars, si vous vous souvenez, Dragon Ball a collaboré, il me semble que c'était en quoi, 2018 ? Je sais pas, le petit nuage magique, le petit signe de Goku qu'on peut retrouver sur ses uniformes de combat. Ça tourne. C'est vraiment sympa. Comme tu peux voir, moi je les rock mes paires. Ah ouais, mais là. Bah alors, les refs, ce petit tournage. Franchement, c'est cool, hein. On voit énormément de choses. Les renards, faudra vraiment se mettre sur ma chaîne pour regarder l'épisode. Il y a du manga, il y a de la sneakers, il y a même de la sap, il y a de la figurine, il y a des très bonnes petites anecdotes, il y a du Yu-Gi-Oh, il y a du Dragon Ball Z, il y a tout ce qu'on aime en fait. Donc, okay. Je sais pas ce que vous attendez. Mais j'aime bien ta veste en fait. Elle vient d'où ? Ma veste. Désolé frérot. Ma veste, c'est 80 euros au lieu de 140 euros chez Nike. C'est une petite veste ACG et c'était en factory. Donc voilà, petit achat de factory. Ouais. La veste, elle est toute neuve, orange et rose. Je trouve que c'est cool. Et après, sinon, ouais, aujourd'hui, j'étais habillé chill. Ça, c'est un bas en coton Nike et une petite paire de protection pack Reinclude. Hein, rien de. Include. Include. Hein. Include. Include. Ah, moi les gars, moi et l'anglais, vous connaissez. Hein, oui, c'est, oui. Hein. Et les, moi les gars, j'ai les répercussions de la salle là. Ah.
Les refs, juste un truc. Depuis tout à l'heure, nous, on est en train de tourner. Et Jojo, il est là, il est en train de comater, il est sur le fauteuil. Non, mais j'écoute. Fumé. J'écoute tout, mais j'ai un coup de barre, il est incroyable. Il est incroyable. À la tienne. Voilà. Buvez de l'eau, c'est très important, les gars. Ceux qui boivent de l'alcool. Faut pas boire de l'alcool. Voilà, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, buvez de l'eau. Là, on est dimanche. On est dimanche. Ça veut dire que techniquement. Buvez de l'eau plate, on n'est pas dimanche. Bah, quand tu regardes la vidéo. Ah oui, oui, quand vous regardez la vidéo. Voilà, on est dimanche. Ça veut dire que toi, peut-être que la veille, t'es en soirée. T'es en soirée avec tes potes. Et t'as fait que de boire. T'as fait que de boire. T'as embrassé des nanas. T'as embrassé des renards. Je sais pas ce que t'as fait. Et là, t'as la gueule de bois. Donc, bois de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau gazeuse. Je crois que pour la gueule de bois, l'eau gazeuse, c'est bon. Voilà. Voilà, mais après, nous, on n'est pas trop dans ça, les refs, donc on n'est pas trop en bleu. C'est même pas trop. On n'est pas dedans. Ouais, on n'est pas dedans. Moi, je suis pas dedans. On n'est pas dedans. Donc, les gars. Ranit, il est dedans un peu. Il boit des bières au litchi, des fois. Ranit, tu bois des bières au litchi, là. Ouais, tu te rappelles pas au Japon. Ah ouais? Ouais. Il boit des bières au litchi, les refs. Lui, là, il aime bien le soju. Yohan, il aime bien le soju. Le saké. Il adore. C'est grave un menteur. Voilà, je suis accompagné du chien là depuis tout à l'heure. De la chienne. Eh. Non mais pour tu. C'est une chienne. C'est une chienne. Elle a quel âge maintenant? C'est une mamie. C'est sa dixième année là. Ah ouais, mamie. Ça se voit, elle a mon poil. Il est Akita, c'est 10 ans l'espérance de vie. Ouais, bah ouais. Mon poil, il est déjà bien connu. Non, mais là, parce qu'il a un problème de peau. Ah. Je sais pas ce qu'elle a. Quand elle venait à size là, elle était pas comme ça. Hein. Ouais. Bah ouais, les refs. Ah, la pauvre. Eh, les refs aussi, juste un truc pendant qu'on parle. Je sais pas si vous êtes sensibles à ça, les gens de la chaîne de Jojo, mais les chiens là qui abandonnent leurs animaux, allez vous faire enculer. Bah de base c'était un chien abandonné. Donc toi tu veux pas que ma vidéo soit monétisée en fait. Non, frérot, c'est au bout de 30 secondes. Ah ouais? C'est au bout de 30 secondes, bah oui, t'inquiète, tu seras même pas démonétisé. Mais genre les gens qui abandonnent leurs chiens là ou leurs animaux, vous êtes des enfoirés. C'est tout. Voilà. Dealer. Voilà, c'est vrai. Il est suivi par le renard. Allez hop. Bah c'était cool. Il y a un peu de tout hein. Bah alors Johan, ça fait quoi d'être interviewé par un renard? Ça donne soif. Oh, déjà, ça c'est sûr. Des grands bruits de gorgée. Merci Ryan. Non, très très bien, très très bonne expérience, c'était cool. J'ai pu présenter pas toute ma collection, mais une bonne partie. Ouais. C'est déjà pas mal. Les plus importants. Après, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Là, tu vois, rien que je regarde là, il y a encore trop de trucs. Il y a encore plus de Jojo, il y a plus de figurines et tout. Mais... Et ma collection de comics, c'est dans la cave. Ah ouais. Pff. Ah, c'est excellent. Un peu là, mais là, c'est dans la cave. Ah, c'est très très cool. Petite Batmobile. Petite plante. T'as des vidéos à faire en plus. Collection rare de Hikaru no Go. Ah ouais, c'est bien. Bah t'en avais pris au début. Mais... Baki là, c'est quoi? C'est les mangas. Ça, c'est un coffret. Ok. C'est les mêmes qui sont là. Tu vois, ça, c'est pour c'est le. Ouais, si, c'est les mêmes. Ok. Il y a juste ça que j'ai. Ouais. Normalement, ils vont en supprimer parce que c'est pas pour faire la miniature. Ouais. Regardez-moi ces geeks. Ils font des échanges Pokémon. Des grands gaillards comme ça, surtout lui là. Voilà, on se barre de chez Johan. Yes. Et je suis KO. Journée terminado. Une fatigue incroyable. Frérot, je suis fatigué. Depuis que je suis arrivé là-bas, je sais pas ce que j'ai, mais je suis cuit. Là, moi, le coup de barre commence à arriver, mais j'ai une soirée ce soir. Vous vous retrouvez pour la suite de la vidéo. C'est pas la suite de la journée, je sais pas. Donc, je sais pas, ça sera quand, mais ça sera. Je sais, voilà, vous allez voir. Il y a une suite. Après avoir parlé, il y a une suite. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a une suite. Donc voilà. Allez, tchuss. Des petits achats qui ont été faits et qui seront probablement dans la prochaine vidéo. Voilà, j'ai fait mes petits achats avec les BG. Ah les gars, voilà. Ça c'est une bonne petite paire. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en fait là, là, là. On vous montre mes envies de faire. Hein. Des petits achats, les gars. On va pas vous spoiler, mais on vous montre quand même vite fait. Après la Lost and Found Jordan 1, la petite Reimagined Jordan 3.
Bah en fait cet achat c'est tout simplement la vidéo de la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas de follow. N'oubliez pas de follow la chaîne de Matt Uzumaki bien entendu. Merci d'être toujours là tous les dimanches et n'importe quel jour de la semaine. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. Merci pour tout. Allez, à la semaine prochaine. Tu m'as l'air tactile, mais je l'ai vu derrière ton sourire sournois. C'est un peu difficile, mais t'as pris le temps de miser sur moi. Ne me demande pas d'être un remplaçant, ne me demande pas de m'ouvrir maintenant. Laisse-moi faire du cash du moins pour l'instant. Je veux juste te remplir d'amour sincèrement.